anglais, Maro? Voilà, moi, non. Hein, du quoi? Tranquille. C'est quel nom? C'est Clovis. Ah, Clovis, y'a pas de bruit. Donc, en même temps, la question du jour, c'est très simple. Un dit, si Satan que tu connais là, hein, il était ivoirien, quel est-il que tu allais lui donner? Didier, un baoulé. Eh, il faut pas y'a baoulé. Baoulé, t'as fait quoi? Eh, hypocrisie de ça. Baoulé va garder rancune, et puis les pauvres, et puis il court et toi. Mais c'est pas gourmet. C'est quoi? C'est pas gourmet du niveau baoulé. Ça n'est pas gourmet. Quelqu'un mange toi, et puis la question dans son cœur, et puis ne cause pas. Et puis ne cause pas. Lui, il dépasse Satan. Tu vois ça en quoi? Donc, tu as vécu une expérience comme ça avec un baoulé. Maudit même. Donc, tu n'aimes pas les baoulés. Non, il les aime quand c'est un mousseau. Ah, quand c'est un mousseau. Ah, là-bas, ça donne. Tu vois? Ah, là, les baoulés, ils vous aiment. Voilà. Mais les gars, baoulés, ils n'ont pas fait ça. C'est pas bon. Ou bien, tu dis quoi? Ouais, ça va bien. C'est quel nom? Ouais, c'est Ouin Ouin. Ouin Ouin. Et dis quoi ton nom? Ouin Ouin Ouin. Ça va bruit les abonnés, donc on est voilà. Donc la question c'est très simple. Tandis que si Satan était ivoirien, il allait être quelle ethnie d'après toi? Satan, il y a deux ethnies. Ouais. Deux ethnies? Ouais. Lesquelles? Baoulé Gourou, voilà. Ah! Son papa est Gourou. Sa maman est Baoulé. Mais pourquoi? Baoulé de Béoumi. Et puis son papa est Gourou de Saint-Fra. Satan a deux ethnies, Gourou, Baoulé, on prend ça comme ça. Lui, où il est, il sait que non, s'il vient en Côte d'Ivoire, on va le placer soit à Saint-Fra ou bien soit à Béoumi. Il est pas, il y a des pays là. C'est que vraiment, les Gourou et les Baoulé sont marqués. Non, ouais, les Gourou, ils ont des mouvements un peu pas possibles, mais Satan, comme certains, c'est un garçon. Non, c'est que c'est pas un peu de Gourou. Il y a vous les abonnés, donc lui, c'est son avis qu'elle est. C'est comme un baron. Ouais, voilà, moi, ici, Calé, c'est moi, on appelle Lazaro Satellite, le méchant, on va le tour de la musique. Qui vont les chats sur la tête de 489 afin de population. Ouais. Vous connaissez, hein? Azabou Satellite qui est calé, vous connaissez le Congo Arise, c'est lui qui est là. Voilà, donc on est à la question, c'est très simple. On dit, si Satan était ivoirien, quelle est-ce que tu allais lui donner? Si Satan est ivoirien là. Ouais. Ivoirien d'abord, hein? Mais il n'est pas aveugle. Ouais, ouais. Mais Satan même là, c'est un mort guéri. Pourquoi? Satan mange l'homme. Il mange la chair humaine. Ouais, ouais. C'est un sorcier. C'est un diable. Autant Jésus est au-dessus, mais Satan en dessous. Ou ben. Voilà. Donc elle met dessous, mais il dit que Satan, lui, il est guéri. Attends, mais toi, tu n'es pas gourmet, tu veux dire que Satan est guéri. Hein? Pourquoi? Gourmet. Moi, je ne suis pas gourmet. Moi, c'est un artiste. C'est un artiste. Tu me vois. Peut-être que ma femme va regarder une vidéo ça. Hein? Mais là, c'est moi. Isna. Alors, non. C'est que là, va bruit. Il dit que là, si c'était lui seulement Satan, il était guéri. Ou bien, c'est que guéri fait quoi? T'as le dit? Non, il a été guéri. Il a été guéri. C'est faux. C'est comment le boss? Ouais, ça va. Ça. Hein, tu quoi? Ouais, je suis calé. C'est quel nom? Tata, le feu, c'est le feu, le 270, le NINININI. Eh, moi, je connais des rappeurs français. Ouais, ouais, toi, tu connais. On est signé à Casablanca, ce pays est grandi au Maroc, donc c'est même Maroc. Il y a pas bruit. Donc là, le mot, c'est très simple. La question, c'est quoi? On dit, si Satan était ivoirien, quelle ethnie tu allais lui donner? Si Satan était ivoirien. Mais ça n'est pas ivoirien. Et ouais, ben, c'est guéré. Ah, t'as possible la guéré aussi. C'est guéré, c'est guéré. Pourquoi appelle la guéré pour moi? Eh, attends, tu connais la guéré, même en grandit pas au village. On grandit en ville et puis on s'en salue là-bas. Sinon, si t'as grandi au village, c'est pas bon. Ouais. T'as moins l'homme. Non, t'as pas moins l'homme. T'as moins pied, il comme. T'as créé l'homme. T'as plus moins. Ouais, non. Donc, selon toi, Satan allait être guéré. Non, selon moi, mais Satan est guéré. Il va pas être guéré. Il est guéré. Ouais, un bris. Ouais, il est guéré. Donc il dit que Satan est guéri. Il n'y a pas fait des gens, il va être, mais il est déjà guéri. Si Satan, il était ivoirien, quel est-il que tu allais lui donner? Il va chercher un champion. Pourquoi? Satan était guéri. Eh, pourquoi? Là, il courait ça. Pourquoi? Il est ivoirien, mais ivoirien beaucoup. Satan était guéri. Champion n'est pas la conséquence de cause. Comment? C'est sûr. On va abréger. C'est quoi? Il dit que guéri mange l'homme, quoi? Non, il a mangé l'homme. Mais l'homme, là, peut-être les abeilles ont fait ça. Ils sont même choqués, les abeilles. C'est la même là, c'est vraie trahison qui est dans les quais.
guéri le mort. C'est trop noir. C'est pas pour vous les guérir. Moi aussi, mais c'est pas gourmet. Non, elles sont fascinées. C'est pour des mousseaux là. Ça court vite. Un cocotier, à ce que ça fera, on court ça. C'est facile. Les gens guérir là, ils vont aller vous clasher. Côté Boubert, dans les là. C'est trop beaucoup, frérot. Ah, c'est voilà. Mal, non. Sinon, t'as déjà dit les guérir. C'est pour des mousseaux là. Ça va vite. Faut que baisser sur moi, tu la même chose. À ce que ça fera, son banguise à côté. On couvre ça. Là, il va dans les gros guérir du village là. Tu vas pas dire, je connais, j'ai pas la conséquence des causes, petit. Ah, ah, dis, si Satan que tu connais là, le maudit là, il était ivoirien, quel est-ce que tu allais lui donner? Ah ouais, Didier, hein. C'est Djoula. Djoula? Ouais, forcément. Eh, t'as pas parlé de Djoula. Toi, tu connais, oh, c'est Bagbo qui revient. Bagbo qui revient. Ouais, forcément. C'est lui qui revient. Ouais, forcément. Donc, t'as des bangou et plaisir. Ah, c'est bon, qu'arrive, toi, tu verras. Forcément, vraiment. Mais, à cause du président, tu n'aimes pas les Djoula, ou bien ça va les qui n'aiment pas les Djoula? C'est pas cause du président. Les gens les aiment. C'est Nyomien, là, qui est bon. Mais t'as différent. C'est Karim, ça sort forcément. Pa! T'en diras. Ah. Donc, là, mais c'est Oudi, c'est Bétéo, c'est nous, c'est l'Ouest. Pa! T'en diras, ça, tu dis quoi? Ah. Il va chier. C'est la bonne. Lui, il dit que là, un esprit là, c'est les Djoula là. Ça, c'est les Djoula, si les gens, ils voient rien. T'en diras. Ça va. C'est quel nom? C'est Ezekiel. C'est Ezekiel. Mmh. Ah, il y a la même nom là-bas. C'est pas une femme Ezekiel, hein? Eh! Moi, pas j'ai un bon garçon. Ah! N'a pas écrit. Y'a fou, y'a fou. Donc, la question du jour, c'est très simple. On dit si Satan était ivoirien, il allait avec quelle ethnie? Annie. Annie! Annie! Selon toi, pourquoi il allait être. Selon moi. Pourquoi il allait être Annie? Les Annie sont trop mauvais. Mmh. Après, vous mettez un ami là-bas. Non, ils sont trop mauvais. Même. Et puis, si tu sais, ils viennent à Bengourou là-même. Là. Non, c'est pas possible. Mais c'est qui? C'est quel ami qui t'a fait du mal? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas dire non de la personne. Mais c'est un homme. Voilà, c'est un homme. Quand elle parle, elle va se faire des mots. Alors, c'est Goumen. Voilà. Donc, ça t'arrête Annie. Annie. Les abonnés. Ça, c'est un Goumen, les amis. Pardonnez-moi. Donc, c'est un Goumen qui est là. On dit, si Satan était ivoirien, quelle ethnie tu allais lui donner? Franchement, je donne Abbé. Abbé? Oui. Pourquoi Abbé? Abbé, ils ont mangé Rubino. Ils ont mangé Rubino. Ils ont mangé Rubino. Voilà. Ah. Oui. Mais il y a qui s'appelle Goumet. Vous êtes pas les Goumet, c'est pourquoi vous nommez les ethnies là? Non, c'est pas Goumet, mais il y a Goumet, ils ont mangé Goumet. Ah, y'a fou. Donc, ils ont mangé Rubino. Voilà, ils ont mangé Rubino, ils sont capables. Ils sont dans les quais, ils sont assis dessus. C'est que tu as une expérience très tragique avec les Abins. Bon, on peut pas dire ça, c'est celui-là, en gamme là. Et moi, ils ont fini avec ça. C'est les tchepos en esprit. C'est les tchepos. Les abeilles pardonnés, même si vous classez, ça va pas là. Comment va ça, quoi? Donc, selon toi, Satan allait être abbé s'il était ivoirien. Ah, ben, mais. Ils ont d'abord Rubino. Voilà. Et lui, il est gamin, ils ont d'abord Rubino. On dit Satan, que tu connais le vrai maudit là. S'il était ivoirien, quelle ethnie tu allais lui donner? Il allait lui donner l'ethnie bété. Bété? Ah! Pourquoi bété? Payer les bêtés à ceux qui font tout le faux moment. Go bêté quoi? Elle peut jamais laisser un seul mot. Go bêté au Dieu à ta mille là. Elle est toi. Une fois que ton mille fait chaud, ton mille saute en même temps, elle n'est plus à toi. Tout le monde doit être une bêté à Satan. C'est que t'as plus goumé. Maudit champion. Il a sauté dans le bras. Il a plus mille goals à sauter. C'est qui fait la connerie quoi? Dis-moi, mais tombe toujours sur le go bêté. C'est que t'as pas l'offre de ça. Il donne les tunis bêté à Satan. Les bêté, excusez-moi, mais les gars. La bêtise là, c'est là qu'on appelle l'intérêt couloir. Hein? T'as là, il est toi. Intérêt couloir, c'est dit. L'homme qui regarde intérêt, Satan même à lui, mais c'est un mot d'intérêt. Il m'a tué. Et Satan lui, mais c'est un mot d'intérêt. Moi, Fresson, moi m'appelle Eddie. Eddie. Ouais. Y'a faux Eddie. Donc la question d'aujourd'hui, c'est très simple. Eddie, si Satan était ivoirien, quel est-ce que tu allais lui donner? C'est nous faux sans brûler. Ouais. Tu sais, on dit qu'elle a le diable. Ouais. Femme. Et nous devons avoir des seins. Ouais, c'est mouchon, c'est nouveau. Ça, tu connais. Ah, tout le monde là, elle a cassé mon cou. Y'a quoi? Elle est diable. Ah, mais tu vois. Il dit que le diable, c'est mouchon. Lui, il est gamé. La voix de Goumé, moi, c'est vrai que c'est Goumé qui a déjà parlé. Mon gars, tu viens, ça va y voir. C'est Goumé. Là, on cherche. C'est Goumé. Non, c'est mouchon. La mouchon, il n'est pas allé à vous. La mouchon, c'est nouveau. Dis, c'est quoi, même, il a oublié ton nom là? Eddie. Eddie, tu n'es pas allé à vous. Goumé. C'est quand même si la soie est bon, j'ai dit faut un bro. Ah, bien. Voilà.